qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas dit du royaume des cieux. Au fait, Joël Crasso. J'appelle la sœur. Ça va chez toi maintenant? Tu ressentais des douleurs hier? Ça va? Tu avais quoi hier? J'avais ça habitué. Comment les gars? C'est simple, pas assieds-toi comme. Ils n'ont plus manqué, pourquoi? Ils ont donné ça à qui? Ils ont envoyé ça dans le camp de la sorcellerie. Donc c'est elle là-bas. Tu crois à la puissance de Dieu? Oui. Il faut t'engager. Papa me parlait hier, on avait l'impression que tu étais tellement dépassé. Mais la seule raison qui fait que le sorcier a le pouvoir sur votre vie, c'est l'absence de Jésus-Christ dans votre vie. C'est tout. C'est rien que ça. Toute fois que tu seras loin de Dieu, ils auront accès à ta vie. Et ils savent très bien ici quels sont ceux qui marchent avec Dieu ou pas. Ils savent. Pour être au-dessus de la sorcellerie, il faut que tu marches avec Jésus. Comment toi, grosse, belle femme, ma fille comme ça, tu es fort, tu viens prendre ton cœur devant toi, bébé, pour l'envoi, sans que tu ne dises un mot. Hein? Et t'envoies ça, tu ne dis pas quelque chose. Ça dit, il y a quelque chose. Vous avez raison sur toi. N'est-ce pas? Hein? Si, si. Il faut marcher avec Jésus. Où est le petit? Et ton petit frère? Oui. Tu es sapé ce matin. Vous êtes un chef du village. C'est un guéri ou un obé? Non, c'est maman qui est mon père. Lui, il s'est reconnu dans Obé là. Non, lui, il est 100% Obé. Ah, c'est toi qui l'as envoyé ici. Tu fais partie de ceux qui l'ont envoyé ici. C'est sa maman qui l'a envoyé ici. Et toi, tu t'es consentant, tu voulais aussi. Ils ont dit que s'ils ont tué mon enfant, ils vont me tuer. Donc comme ils ont tué bébé, c'est pour ça que moi aussi j'ai fait pour venir ici. Ah, sinon lui met ta délivrance, ça te dit rien. Non, mais quand tu lui demain, il dit qu'il n'est pas sorcier, que lui ne voit rien. Non, laissons ce qu'il a dit. Le petit l'a avoué hier devant toi. Ce qu'il t'a dit avant, laisse ça. Il a parlé hier. Je pense que tu as pardonné. Ce n'est pas facile. Je sais. Et puis ici, là, c'est l'église. Le principe de Dieu, c'est le pardon. On va. Tu es obligé de pardonner à l'enfant parce que Dieu met le pardon déjà. Tu sais quoi t'as pas mangé? Tu sais quoi t'as pas mangé? La grâce de Dieu. Ok. Tu reconnais ça au moins? Si tu reconnais que c'est par grâce de Dieu qu'on t'a pas mangé, le même Dieu dit de pardonner. C'est sa grâce, non? Mais si je quitte ici, là, je n'ai pas maison. Il a fait, j'ai libéré ma maison. Mais là, si je quitte ici, même, je confie même mes barrages à mes camarades, à Irene, et puis je suis venu ici. Non, je n'ai plus de maison. Le jour où j'ai quitté la maison, même pour dormir chez ma voisine, ils ont dansé de la chambre jusqu'en dans la cuisine. Maintenant, ma voisine me demande, il demandait à quelqu'un dans la chambre, il dit à personne. Il dit, mais sont tes sorciers là, ils sont contents. Il dit, oui. Ce qu'ils voulaient là, ça arrivait, donc ils sont contents. Qu'est-ce que tu fais? Non, ne parlez pas sa place. Parce que nous, ce qui nous intéresse, la protection de l'enfant après cette rencontre-là. Est-ce qu'on peut pardonner à l'enfant après? Est-ce qu'il sera bien accueilli en famille? Est-ce qu'il ne sera pas séquestré?
Est-ce que il y a toutes les questions qu'on se pose. À l'entendre parler, elle n'est même pas prête à pardonner à l'enfant. Et qu'on n'est pas prête à pardonner à quelqu'un, on est prêt à poser un acte. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai dit, il ne faut plus jamais on va se croiser. C'est ce que je lui ai dit. Même j'ai payé même des gens pour qu'on en parle. Non, c'est le bruit des techniciens. Vous parlez fort. Ah, tu envoies les gens pour la battre. Tu es devenu sorcier, rien. Lui, tu pouvais la nuit, toi, tu pour toi vis-à-vis. C'est parce que j'ai refusé de payer son école, hein? C'est pour ça qu'il dit qu'il va me tuer. Bon. Même aller enterrer un canari dans ma maison, il y a des choses au bras de l'homme dessus. Bon. Tout cela a été fait. Est-ce que tu es morte? De demande. Non. Et puis, il a pris ma chance pour donner à ma camarade. Oh. C'est du passé, c'est hier. Qui va envoyer cette chance-là? C'est Dieu. Maintenant, Dieu te demande de pardonner. Si tu ne pardonnes pas, lui va envoyer cette chance-là comment? Bon, tu n'arrives pas à pardonner l'enfant. Ils ont fait. Et c'est ça qu'on appelle le pardon. Le pardon oublie tout ce qu'on nous a fait. Si tu veux regarder tout ça, si nous autres on voulait regarder tout ça, on n'allait jamais dire bonjour à quelqu'un. Tu l'as tué là. Bon, il sait que je ne suis plus le tuer. Tu te l'avais tué là. C'est la même sorcellerie là. C'est des cris. Pour lui, il a fait la nuit. Toi, tu as fait pour toi vis-à-vis. Pour toi, mais t'es dangereux. Ah, pour lui, il est sous contrôle d'un esprit qui le pousse. Or, toi, tu as bien réfléchi. Aller même donner de l'argent pour tuer quelqu'un. Vous comprenez pourquoi je l'ai appelé? Parce que je savais qu'elle n'avait pas encore pardonné à l'enfant. Or, nos sciences de délivrance, non seulement ça a délivré le sorcier, qui est lui-même sorcier, victime. Si je peux, si je veux, ne pas exagérer, je n'exagère pas. Parce que, qui t'a donné la sorcellerie? Où est-ce? Faut-il dire. Lève-toi. Monsieur. La punaise envoie beaucoup de choses. Hein. Ici, là. Il dit qui t'a donné, c'est qui? Où est? Il peut y avoir une mémé. Il dit. Non, attendez. Donne le micro. On va régler ça, t'en prie. Tu seras à l'aise, lui sera à l'aise. Faut pas aussi d'aller nuit son sorcier après. Non, la vie a délivré. Pas le poussi comme un sorcier, poussi quelqu'un à la ville. Tout le monde sera délivré. Même le sorcier, un sorcier même sera délivré. Il aura sa chance ici. Amen. Voilà, il faut qu'on ait tout le monde. Amen. Amen. Tout le monde. Parce qu'il a entendu les gens qui n'est pas à l'aise. Ah! C'est parce que la mort ne prévient pas que ça nous prend. Moi, je vais donner rendez-vous. Je vais te trouver où? Monsieur, je viens demain à 10h. Moi! Tu vas trouver la maison de vie. La mort va te dire bonjour, monsieur. Tu viens te chercher. Tu n'as pas le monde. Monsieur! Ah, je cherche! C'est toi qui as donné la sorcellerie? Oui. Au vieux là? Oui. Comment tu as fait? Il m'a mangé ça, avec vient de bien transformé, ça vient de l'homme. Qui mangeait qui? Mon frère. Tu mangeais ton frère? Et puis t'as fait quoi? Et transformé, la vienne en vient de l'homme. Mais ça veut dire que tu étais déjà sorcier? Oui. Avant de le transformer, tu étais déjà sorcier? Oui. Toi qui t'as donné? C'est ma fille, ma grande Sarah. Où elle est où? Elle habite. Ah! C'est comme une épidémie. Ça prend l'eau, ça prend l'eau. Ça... Non, ça prend tout le monde. C'est un réseau. La connexion est créée.
Tout le monde infecté. Hein? Donc elle t'a donné. Oui. Et tu as donné au gars là. Oui. Mais toi, comment toi, petit comme ça, tu veux donner sorcellerie des vieux là, ton grand frère. Comment tu as fait? Son âme ne débat fort, elle est transmonée. Toi, il est fort. Lui, son âme. Comment toi, tu sais quand âme est fort et quand c'est pas fort? Comment tu sais ça? Comment tu peux savoir si âme est fort, comme c'est pas fort? Quand un homme n'est pas fort, quand tu vois un homme, tu peux l'initier facilement. Bon, comment? Il faut nous enseigner, hein? Comme ça, on va chercher à avoir âme fort. Hein? Ou pas ton âme va te maigrir, lui. Le petit va prendre ça. Bien sorcier. Comment âme n'est pas fort? Âme, c'est comment? Quand il ne croit pas en Dieu, ton âme n'est pas fort. Mmh. Donc lui, il est païen. Oui. Ah, oui. Non, lui, il est déjà sorcier. Donc lui, là, son esprit est déjà fort sataniquement. Maintenant, lui, il ne connaît pas Dieu. Donc son âme est faible. C'est ça. Moi, j'ai compris. Hein. J'espère qu'on a tous compris. Parce que la Bible dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Moi, j'ai compris, bibliquement parlant, j'ai compris. Il n'est pas allé très loin. Il a bien résumé la chose. C'est parce qu'il ne connaît pas Dieu que son âme... Parce que qui aura son âme forte si ce n'est pas Dieu? Sur la terre ici, là, si tu n'as pas le pouvoir de diable, c'est le pouvoir de Dieu. Or, le pouvoir le plus puissant au monde, c'est le pouvoir de Dieu. C'est ça? Oui. Toi, tu as vu qu'il ne va pas à l'église. Il ne prie pas. Et puis, tu as fait quoi? Et puis, il n'y a plus son âme. Et puis, il va dire dans... Non, tu as donné à manger d'abord, non? Oui. Comment tu as fait? Monsieur, tu aimes viande? Hein? Oui. Hein? Allons-y. Il a pris à manger ensemble, maman a mis la viande et puis elle a transformé la viande en la maman chien. A mis manger ensemble? Mm. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a transformé la viande en chien humain. Qu'est-ce qui s'est passé? En viande de l'homme. Je n'ai pas compris. La viande qu'il mangeait là avec ton frère, tu as transformé ça en chair humaine. La viande de l'homme. Oui. La vraie viande là. Oui. C'est devenu viande de l'homme. Et puis il a mangé. Oui. Comme il aime bien viande. Et quand il a mangé, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu sorcier. C'est comme ça devenu sorcier? Hein? Oui. Et puis quand comment tu l'as vu là-bas? Vous avez vu que tout simplement, c'est cela que c'est vraiment important de prier. On dit tout est sanctifié par la prière. Tout est sanctifié. On te met un plat, ne tombe pas en transe. Parce qu'il y a des transes de faim. Ne tombe pas en transe. Prie le Seigneur. C'est différent de... Ça n'est pas une prière. Tu n'as fait qu'on appelle signe de croix. Or, signe de croix, la croix veut dire symbole de souffrance. Il faut que je vous enseigne ça. Parce que vous faites des choses sans savoir ce que ça signifie. Quand tu fais quelque chose, il faut savoir ce que ça veut dire. Quand tu fais comme ça, en quoi c'est prier? Toi-même là, ça fait prier. Or, la prière consiste à ouvrir la bouche et de demander. Bientôt, j'ai ouvert l'école de prière, je vais commencer. La prière, c'est demande à Dieu. Invoquer Dieu, c'est crier, demander le secours de Dieu. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, prière veut dire demander à Dieu quelque chose. Donc, quand le plat est là, tu dis, Seigneur, sanctifie ce plat dans le nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas d'aller délivrer le plat. Seigneur, les sorciers, le sang de Jésus, le sang. Tu vas tuer les gens qui ont faim. Ce n'est pas une chance de délivrance. On dit action, prière d'action, de grâce à Dieu. Pas. Sanctifie ce plat. Immédiatement, comme tu l'as invité, celui ça l'engage. Il vient, tout ce qui est impurité spirituelle, même physique, il purifie. Parce que tu l'as invoqué. Dieu aime bien qu'on l'associe dans nos affaires. On m'a bien saisi. Amen. Oh, le monsieur aimait bien. Et là, il a mangé. La bien est déjà transformée en chair humaine. Il est devenu sorcier. Et c'est la stratégie, ça. Non, tu l'as donné, tu l'as rendu sorcier, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une sorcière est arrivée dans les... Il y a un initiateur, il y a quelqu'un qui initie quelqu'un. Il y a quelqu'un qui initie quelqu'un.
comment tu es, puis tu inities des gens. Tu vas à l'école? Oui. Tu vas que tu as vu quelque chose? CE2. Tu es quel âme? Première composition. On est dans CE2, première composition de 6e. Pourquoi tu vas apprendre? Mais c'est la vérité, il a le pouvoir. Toi, tu as pouvoir, non? Oui. Hein? Oui. Mais pourquoi tu te dis, je vais être premier? Parce que quand tu arrives dans la canne de la société, tout en intelligent enlève ça. Et quoi, on a envoyé ça où? Abraham, le roi, là, les donne ça. Et puis toi, tu es là-bas où on prend ton intelligent. Tu quittes pas là-bas! On prend ça, on donne ça au roi. Oui. Et puis tu deviens quoi? Et puis, quand on enlève, on était déjà bien, on enlève tout, tu ne connais plus l'amour de l'homme, on enlève tout l'amour de l'homme dans toi. Ah. On enlève. Donc quand tu vois brûler. Oui. Ah. Ouais, non? Le côté sentimental, on enlève ça. Donc il te voit brûler, brisé, que Dieu nous. Il va te manger. Ouais, non. Comment le diable agit? Parce que c'est que si tu es sentimental, tu auras pitié. Or, la pitié n'existe pas chez eux. C'est la chose qu'on détruit. C'est pour ça qu'il tue son enfant quand on le construit sa maison. Donc, on enlève ça comment, petit? Toi, tu nous enseignes le matin, hein? On enlève ça comment? Quand il arrive dans le camp de la sorcellerie, le chef, le roi, là, lui, il prend ton pouvoir et puis il enlève ça. Il met ta main sur ton cœur, oui. Puis il enlève ça. Il dit quoi? Il dit, maintenant il va plus mettre l'amour de ton cœur, il enlève l'amour de ton cœur. Hein? Et puis, tu es devenu bizarre, mais tu deviens bizarre. Oui. Bah. Et après ça, on fait quoi? Mais quand on enlève maintenant, quand tout ce que tu as fait, c'est mauvais. Ah, tu ne fais jamais la bonne chose. Tu ne fais jamais les bonnes choses. Tu gâtes seulement. Et toi, tu es petit et puis tu donnes sur ce lit à un grand. Comment toi, tu vois ça? Hey, la nuit, il est grand. Hein? Tu le vois comme ça, papa. Il te gifle. Pas. Il pleure un peu, il va derrière la maison, la nuit. Tu mets le cerveau, l'enfant va te donner. Monsieur Jésus. Maintenant, ça va. Donc, tu as donné la saucisse à ton fils, tu es ton frère. Vous avez mangé. Monsieur, comment il t'a donné? Tu as mangé, tu es né sorcier après. Tu as vu comment s'est passée l'éducation? Je te fais un peu sur la scène. C'est-à-dire, lui que tu vois là, il n'avait rien à voir la sorcellerie. Est-ce que tu m'écoutes? C'est vrai que tu as peut-être que tu as une raison de t'énerver. C'est vrai. Mais regarde déjà, en écoutant déjà ce qui se passe. Comme un enfant a été initié, ça doit maintenant être désarmé. Hein? Pardon, écoute-moi. Non, il faut écouter, il faut être ici. Pourquoi ton esprit d'ailleurs? Ça doit te désarmer. C'est-à-dire, lui, il n'a pas décidé d'être sorcier. Comme il aimait bien manger, tu aimes quelle viande? J'ai dit tous les jours. Je ne pas tous les jours manger. Il dit tout ce que j'ai apprécié, c'est bien seulement imaginer. Ok. Donc, on met dans la. C'était quelle viande ce jour-là? Poulet. Okay. Donc, poulet, il mange. Lui, il pensait que c'était la chair de poulet. La chair de poulet, et du coup, sans le savoir, il se retrouve dans une confrérie. Tu savais qu'il a tué, tu sais ce qu'il a fait lui? Hein? Oui. Qui l'a envoyé à faire tout ça? C'est mon oncle. Ton oncle? Dominique. Lui-même précise même. Là, lui, il n'a pas fait précision. Hein? Ah ben, c'est toi que le patron. Tu es son patron. Oui. C'est toi que le patron.
paix. Et un patron. Oui, et un patron. Là-bas, tu es fort. Oui. T'es dangereux. Hein? Oui. On te voit petit haut là-bas, t'es dangereux. Oui. Mmh. Tu penses être petit. Ok. Donc tu as suivi toute la scène, tu as vu comment il a fait. C'est ton élève. Oui. Tu as compris, non? Oui. Ça doit même toi-même te dire que tu es désarmé. Petit. En fait, c'est ce que nous avons compris. C'est pour ça qu'on peut aider le sorcier. Le petit même dit dans ses aveux que le côté sentimental. Et puis on t'édicte. Il y a une feuille de route. Voici ce qu'il doit faire, voici ce qu'il doit faire, voici ce qu'il doit faire. Donc lui, il ne fait qu'exécuter. Il ne fait pas son premier de sa vie. Toi, tu inities les gens. Tu as donné combien de personnes? Toi, tu as initié combien? Deux personnes. Deux. Deuxième avec qui? C'est un petit. Toi-même, tu as tué combien? Quatre. Quatre personnes. Tu tues comment? Nous avons un corbeau. Et de ton sang quoi? Corbeau. Oui, explique. Nous avons un corbeau et ça dans la maison. Et puis, si il y a un souci dans la maison, la personne l'ouvre, t'apporte là. Et puis, elle rentre. Ah, salut. Chez toi, toi, tu es sorcier, non? Tu te transformes en corbeau, tu te mets en haut. Maintenant, tu cries. Si quelqu'un est sorcier, il est dans la maison. Il ouvre la porte. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Et puis, il me dit de rentrer. Mon collègue vient. Viens. Mais c'est ce qu'il va dire. Viens, mon collègue. Maintenant, tu fais quoi? Lui, quand il rentre là. Lui. Et toi? Moi, il est là. Oui, tu la personne, la personne t'a ouvert la porte à lui, il dit rien. Mmh. Il dit rien, il assiste. Tu lui donnes pas un peu aussi? Il mange. Il mange aussi. Mais toi-même, on a tué le mouton qui a vu devant toi. Il va pas te donner. Tu vas te donner un peu pour aller faire sauce chez nous. Donc, on tue. Toi, tu donnes un peu aussi. Oui. Parce qu'il a vu. Oui. Il mange. Ah, il a sa taille. Il est comme il est. Et tu fais tout ça. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur pour les tuer. Tu dis que le truc qu'on a déposé dans ton cœur. Oui. Donc la plus peur. Rien. Oui. Tu as gâté quoi? Et gâté, mariage, et puis l'argent. Ah, c'est ce que tu as truqué au monsieur. Donc c'est lui qui t'a appris ça. Hein? Oui. Il t'a appris comment on gâte mariage, et puis comment on gâte l'argent. Comment tu as gâté le mariage? Le matin, je suis rentré dans les yeux de mon père. Hein? Il y a mon esprit dans moi. Oui. L'esprit mauvais dans moi, c'est sorti et puis c'est dans l'esprit de mon père. Ah. L'esprit qui est en toi est sorti et puis c'est rentré dans ton papa. Et oui, puis que ça fait? Et puis mon père et ma mère s'est battu. Et si t'es sûr? Est-ce que vous avez bien compris, l'enfant? Oui. Ça y est, il est là, non? Et puis il va s'incarner en son père. Il rentre dans son père. Il rend son père. Fâchement, son père se fâche. Pas là. Tu pleures pourquoi? Tu regrettes. Hein? Non, mais ne pleure pas. On va te délivrer. Si tu pleures, on va arrêter la science. On pleure pas. Le diable t'a blagué, non? Il t'a blagué. Ah, c'est lui, il blague les gens. C'est comme ça, il est.
Il aime bien blaguer les gens. Il t'a blagué? Oui. Comment tu as fait? Déjà, un même, c'est déjà un problème. Maintenant, ça t'as deux. Ça sert où, yo? Ça sert. Ça sert, on dit. Ça sert. Vous avez tous les traits de votre corps. Ton sang est fort, hein? Ça va, ça va. On va enlever ça aujourd'hui. T'as compris? On ne pleure plus. On va enlever. Tu te tais? Je peux permettre qu'on enlève sa sorcellerie. Quand tu pars faire ça, tu pleures pas. Hein? Quand tu manges l'homme, tu pleures pas. C'est ça. Donc c'est pas ici que tu dois pleurer. T'as compris? Tu te calmes, tu laisses-moi te délivrer. T'as compris? Oui. C'est toi, ce que tu fais est trop dangereux. Quand tu vas tuer l'homme là, tu pleures pas. Oui. Faut pas être pleuré. Laisse. On te délivre. Tu as fait les histoires à ton mari, c'est ça? Le père de l'enfant? Oui, papa. Et il est parti? C'est son père adoptif. Ah, son père adoptif. Bon, son père. Je préfère comme ça parce que l'enfant le reconnaît comme père. Mettez ça dans sa tête comme père. Il a dit père, donc il faut laisser père là. Oui. Là, présentement, ici à la maison, mon grand frère m'a chassé avec mon enfant. Hein? On te chasse au moins? Tu es allé où? C'est ça, ici, je viens chez toi. Hé, toi. Hé, tu viens chez moi. Toi, tu as chassé. Il y a beaucoup de personnes. Hein. Toi, tu as chassé. Maison parce que tu ne peux pas payer. J'ai dû monter sur ma maison. Tu payes la maison combien? 25 000. Tu avais crédit combien? 5 000. Mais j'ai payé parce qu'il y avait donné caution. J'ai donné caution 180 000. Quoi? 125 000. Tu avais 125 000. Et toi, tu fais quoi? Madame? Tu fais quoi? J'ai travaillé dans le champ de Poyo, mais il a bloqué. Le bêtis là? Comment il fait pour l'école? On vit comme ça. Là. Vous vivez comment là-bas? École d'écapement là, c'est pas cher. C'était où ça? À Pierre Salé, sur la rue de Bakanda. Hein? Sur la rue de Bakanda. Bakanda? C'est pas vers Saint-Dressou là? Oui. C'est vers Saint-Dressou? Non, c'est vers Bakanda. Ah, je connais pas. Sur le corridor de Tia Salé, là, il y a une terre rouge en bas. Mmh. Où on fait pour nous? Wow. Lucie, c'est là-bas avec toi? Et vous êtes arrivé ici quand? Que vous êtes à Divo? Quand vous êtes parti à Bujan, vous en êtes venu ici. Ah, donc depuis là, vous êtes là? Oui. Ouais. Et vous vivez comment ici? Que vous donnez à manger? C'est moi, je ne sais pas. Celui qui l'a attaché, là, c'est celui qui est en train de l'aider en tête. Qui t'a attaché? Qui l'a attaché? Son papa, là. Il est venu en parler. Mmh. Mais il ne croit pas, parce que s'il m'a là-bas, je vais prier, je ne sais pas. Non, qu'est-ce que toi, tu veux? On m'a chassé à les enfants, il ne sait pas où les mettre. S'il me retourne à eux là-bas, vous les venez sortir. Toi, t'as quel âge? Bon, je vais prendre les deux enfants, on va aller les garder à l'orphelinat, tu es d'accord? On va aller les garder là-bas, on va les aider. L'année, la rentrée, on va les mettre à l'école. Tu aimes l'école, petit? Oui. On va te mettre à l'école, t'as compris? Vous allez aller à l'école, on va les garder là-bas, tu as compris? Maintenant, toi, tu restes où? Grâce à qu'il y a un jeu chez toi, on l'a détruit. Je ne sais pas où elle est. Elle peut rester chez toi. Plus de maison, il n'y a plus rien. Bon, moi, je te donne demain 150 000. Demain matin. Demain, j'ai petit argent sur mon compte, petit, qui me reste petit. Je vais te donner 150 000 francs demain au culte. Tu vas les prendre maison.
quand tu vas prendre maison, il faut rester à Divor. Moi, j'aime dire. Il y a tous les clients là-bas. Okay. Donc, tu vas les prendre, et puis quand tu vas prendre, tu vas me demander, tu vas me dire c'est ce dont tu as besoin. Et puis, Dieu va m'aider. Moi, je n'ai pas un paquet d'argent. Le prix que j'ai, c'est ce que je mets. Demain, je vais donner 150 000. Tu vas aller prendre une maison, toi et ta maman. Et comme ça, on va... Qu'est-ce que tu veux faire? Ah oui. Donc, combien qui peut t'aider? Bon, on va en parler après. On ne va pas dire ça devant tout le monde. Il est malade, laissez. Stop. Vous comprenez? Suivez ici. Ne cédez pas à la distraction. Donc, on va demain, on va les délivrer. Et puis, on va les envoyer à l'orphelinat. On va leur donner dans le sens de la réconciliation. Il ne faut pas nous ramener le passé. Oui, il n'y a pas de souci. Je n'aimerais pas qu'on dise, ah non, comme ça. Je ne veux plus qu'on entende les choses qu'on a fait. Nous sommes en train de régler tout. Tu as compris? Nous sommes en train de régler. Il faut que le passé reste passé. Tu comprends? Je ne vous parlais pas. Pour l'amour de Dieu, quelqu'un dit les sorciers, je décide de m'occuper de lui. Toi, ta responsabilité, c'est de pardonner. Moi, j'ai fait ma part. Toi, tu peux faire ta part. Nous devons les aider. C'est vrai que ça fait mal. Je te comprends. Hein? Je comprends qu'on a mis un enfant au monde. On aimerait voir l'enfant grandir. Sauf cela que l'amour d'une mère, elle est vraiment quelque chose de balèze. La maman, une femme, il faut la respecter. La mère, je te comprends. Mais ici, dans ce cas express-là, Dieu nous impose maintenant le pardon. Le pardon est nécessaire parce que il ne suffit pas seulement de délivrer l'enfant. L'enfant, sa condition de vie après. C'est pour ça que je suis en train de régler ça. Parce que si ce n'est pas réglé, il va replonger dans des problèmes à ne pas finir. C'est vrai que la société n'a pas venu, mais des problèmes. Or, ça m'a permis de comprendre vos problèmes parce que vous avez des problèmes. C'est vrai que s'il était délivré, qu'il partait, il dormait où? Il allait rester où? La mère allait rester où? Toi-même, tu allais rester où? Donc, c'est ça l'église. L'église ne fait pas que délivrer seulement. Mais si tu as les moyens de loger quelqu'un, il faut le loger. C'est ça, on dit, il faut aider quelqu'un. L'église, c'est ça. Petit, ça va? Tu seras mon camarade. Mais tu dois être courageux. Tu es venu initier un vieux, là. T'as compris? Il ne faut plus pleurer, t'as compris? On va t'aider, t'as compris? Mais la sorcellerie et toi, Anneli, camarade, toi et le diable, fini! Oui. T'as vu qui t'a blagué? Hein? Le diable est mauvais. Ah, tu sais ça de lui. Tu as mangé le diable du diable. Il dit le diable est mauvais. Il est mauvais, non? Il t'a blagué. Les enfants, viens, les blagues. Si vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez pas faire ce travail-là. Vous ne pouvez pas faire ce travail. C'est pour ça qu'un homme de Dieu, le bien qu'il a n'appartient pas, ça appartient à l'église. Moi, j'ai dépensé. Je viens de dépenser l'argent pour ouvrir, pour faire sortir mes voitures du port. Petit argent, j'ai pour gérer mon mois. Dieu me dit, il faut lui donner. J'ai été donné. Parce qu'il va remplacer. J'ai été donné parce que toi, tu as plus besoin de ça que moi. Actuellement, tu as plus besoin de ça que moi. Moi, c'est gardé. Oh, toi, tu as besoin de ça maintenant. Donc, je te donne. Et lui qui me dit de te donner, il va remplacer, peut-être il va mettre trois fois. Je veux qu'il mette quatre fois. Oh, c'est vraiment important d'aider les gens. Les gens souffrent. Vous voyez comment les dégâts que cause la sorcellerie. C'est vrai que l'initiation mange l'homme, mais les dégâts sont énormes. Vous avez vu les dégâts? La mère se retrouve, une mère, avec deux enfants. Donne-moi 10 000 francs, donne-moi dans la vie. Donne-moi mon portefeuille. Donne-moi. J'ai compris Dieu. Depuis que j'ai compris Dieu, j'aime pas voir quelqu'un souffrir. Quand tu comprends Dieu, non. Maman, tiens. Betty, tu as mangé frites. D'abord. Moi, je vais le faire à tout. Tu dis que tu lui parles.
C'est vraiment important, tout ce que je voulais
c'est de voir le sourire, les enfants retrouver le sourire, la mère et tout le monde. Et ça, c'est la plus grande délivrance. La délivrance intérieure. C'est vrai qu'on a chassé le démon. C'est vrai qu'on entend les prier. Mais il faut que la joie inonde le cœur. Parce que le monde ne peut pas donner la paix. Non. C'est un semblant de paix. Celui qui donne la paix, c'est Jésus. Amen. Et quand Jésus rentre dans ton cœur, la chose qu'il commence à faire, c'est la paix qu'il installe dans ton cœur. Parce que juste après la délivrance, elles ont besoin de vivre. Et il faut savoir comment vivent les fidèles. Les hommes de Dieu doivent faire ce travail. Le fidèle, il vit comment? C'est pas non, Jésus, Bouddha, qui va venir en vente de quelqu'un qui a faim. Tu as une femme, ça où? Amen. Les enfants doivent aller à l'école. Oui, il faut qu'ils partent à l'école. Et que la sorcellerie soit du passé. C'est pour ça que je n'ai pas voulu que la soeur revienne encore sur l'histoire de la sorcellerie. Dieu est en train de changer son histoire. Amen. Tu es sorcier, Dieu peut te transformer. Amen. C'est pas une fin en soi. Vous dites non, tu es sorcier, je le rejette. Mais Dieu peut le récupérer. Fais de lui un meilleur demain. David, il dit n'est pas venu pour ceux qui sont justes, pour les pécheurs. Je ne dis pas que je protège les sorciers. Non, la sorcellerie en tant que telle, la pratique, nous allons la condamner. Et la condamner avec la toute dernière énergie. Mais celui qui est sorcier vit avec un esprit. C'est ce que je viens de l'expliquer. En lui, il y a un esprit qui pousse à faire tout ça. Et s'il est délivré, comme il l'a fait, c'était hier son cas, hier, mais il doit vivre. Il vit comment? C'est maintenant qu'il constate qu'il n'a rien pour un toit où dormir, où rester. C'est ici. Mais il faut créer un environnement pour aider l'enfant à grandir. C'est ça qui nous a poussé à construire l'orphelinat. Parce que les gens ont laissé des enfants ici. Il ne peut pas grandir dans un camp de prière. Il n'apprendra rien. Il y a plus de bruit ici. Un enfant d'être dans un endroit où il n'y a pas de bruit, il y a des jeux, où sa croissance. C'est ce qu'ils ont fait par la grâce de Dieu. L'église n'est pas là seulement pour prier, mais c'est aider l'être humain. Ce n'est pas parce qu'il y a l'argent. Non. Moi, je dépense beaucoup d'ailleurs. Mais je constate que le peu que j'ai, parce que j'ai un peu, je peux donner ça là. Ma fille là, je n'ai pas vraiment besoin de ça. C'est pour ça que j'ai gardé. C'est pas une question de délivrance. Non, il faut qu'on prie le Seigneur à pouvoir. Et moi-même. Le Seigneur, il vit en moi. Il ne vit pas en dehors de moi. Je ne suis pas là pour me montrer. Mais elle souffre. Elle connaît l'humiliation. Elle est dans un endroit et tu te retrouves sans un rond. Elle ne sait plus où mettre la tête. Pour une femme, bien sûr. C'est difficile. C'est difficile. Elle ne sait plus où mettre la tête. Il faut l'aider. Après la prière, mais bien sûr, il faut l'aider. Donc l'église doit aider les gens. Parce que j'ai l'argent. D'ailleurs, Dieu nous donne l'argent pour aider les gens. Dieu nous donne l'argent pour aider les gens. Petit, ça va? Tu vas là, l'école, tu seras grandement. Tu as compris? Satan a fait quoi? Il t'a menti, non? Il t'a... Il m'a menti. Il t'a blagué, non? Oui. Il t'a allé manger le viande de l'homme. Oui. C'était doux, non? Maintenant c'est fini. Parce qu'il a mangé, hein? Tu as mangé, non? Oui. Maintenant c'est fini. Oui. Tu as quitté le diable. Oui. Tu vas aller à l'école. Tu as compris? Oui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut nous encourager. On va encourager à l'école. Demain, il sera quelqu'un. Et la sorcellerie, ça sera du passé. Tu as compris? Oui. On va aller, tu vas aller recueillir tes amis. Là-bas, ils mangent vos omelettes matin. Midi des frites. Ils sont. Le repas, il est content. Tu es content. Oui, parce que les enfants ont besoin d'être protégés. Franchement, les enfants, ils ne méritent pas d'être maltraités. Il faut les protéger. Malgré ce qu'ils sont, et vous écoutez très bien, on peut les initier à la sorcellerie, mais après. Et après, il y a notre vie. Il faut les aider. Il faut les faire sortir de cette vie-là. Il faut les sortir de cette vie. Et leur donner une autre éducation dans le Seigneur pour qu'ils soient utiles à la société. Amen. Amen. Tu veux qu'ils prient pour toi? Oui. On va chasser le démon. Oui. Tu t'as fatigué, hein? Oui. Tu t'as trop fatigué. Oui. Lui, il doit être un grand mangeur de viande. Avant. La puissance.
vas quitter son corps. Et tu vas lâcher sa vie par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse. La puissance de Dieu te délivre. Je libère ton âme et je libère ton esprit. C'est vrai qu'il a beau parler, il a décidé de ne plus être sorcier, mais ça ne dépend plus de lui. Vous comprenez? Il va même prendre la décision de ne pas être sorcier, mais puisque l'esprit est dans son corps, ça va repartir, va recommencer. Parce que ça ne chasse pas un démon. Or, la Bible dit qu'à mon nom, vous chasserez les démons. Amen. C'est vrai qu'il a fait des aveux. C'est maintenant qu'on attend de chasser les démons. Une fois le démon quitte le corps, la puissance de Dieu vient s'installer en lui. Et le Saint-Esprit vient maintenant s'installer. Vous voyez? Or, ce que le diable avait récupéré, Jésus-Christ vient et remplace ça. Il vient parce que la Bible dit que les fruits de l'Esprit sont l'amour, la patience, tout ce que vous savez. Vous comprenez? Tout ce que vous savez, les fruits de l'Esprit. Donc, Dieu, le Saint-Esprit, vient en lui, s'installe. Il établit de l'ordre dans son cœur et dans son âme. Amen. C'est cela que l'Église doit aider. L'Église ne doit pas toujours rejeter les gens. Amen. L'Église, c'est la bergerie de Dieu. Elle doit récupérer les gens. Elle doit les transformer. La puissance de Jésus-Christ. La puissance de Jésus te délivre. Je prie que la main puissante de Jésus-Christ vienne libérer ton âme et ton esprit. Ton âme et ton esprit. J'étais en train de faire une délivrance à Paris, à Lyon. Je priais et j'ai senti un esprit qui est sorti de quelqu'un. Ça qui m'étonne, l'esprit est sorti, ça m'a frôlé la douleur ici. Pendant une semaine, j'avais une douleur intense, c'est comme une déchirure. Les gens, ils vivent, ils ont des esprits en eux. C'est comme j'étais en Italie, j'étais en train de prier, et puis un petit pied qui est tombé. L'esprit dit, non, tu ne me chasses pas. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais c'est ma femme. Mais depuis quand? Depuis qu'elle est née. Mais comment? Parce que sa mère, avant de l'engendrer, elle allait consulter une rivière. Elle va consulter la rivière, dit, bon, ok, tu auras une fille. C'est comme ça l'aîné. Donc depuis ce temps, l'esprit est rentré en possession. Mais on a pu chasser. Elle ne peut pas avoir de mari. Parce que l'esprit dit que c'est lui qui est l'épouse de la jeune fille. Donc nos parents, souvent, ce qu'ils font, attirent les esprits dans notre vie. Tout somme d'idolâtrie que les parents ont pratiqué constitue comme un hôtel satanique dans nos familles. Ça est là. Et ça a un impact négatif sur nous. Amen. C'est pour ça qu'on a tous besoin de passer par la délivrance. C'est pas parce qu'on a des... Mais on peut avoir un des hôtels sataniques, des choses bizarres dans notre vie. Souvent, il y a des gens dans leur tradition, le cordon ombilical, on laisse à quelque part, on ne jette pas. Vous allez demander c'est pourquoi, on ne peut pas vous expliquer. C'est comme ça. Mais c'est dangereux. À partir du cordon ombilical, tout s'est fait. J'ai commencé à donner l'enseignement, c'est ça. Ça fout quoi dans la maison de tes pères? Donc tu deviens esclave des esprits des parents. Tu deviens esclave des esprits. Donc il y a des esprits de famille qui nous possèdent. Tu vas, tu as de l'argent, et puis à un moment donné, ça se gâte. Parce qu'il y a des gens dans leur famille, ils ne peuvent pas atteindre certaines sommes. C'est la pauvreté. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut que Dieu nous délivre. Et qui nous font avancer dans la richesse. Amen. Dis amen. Amen. C'est important. Amen. Moi-même, l'argent importe. Tiens, quelqu'un, c'est important. Tu n'aimes pas, puis tu cherches. Non, moi-même, tu n'aimes pas l'argent. Tu n'aimes pas, puis tu cherches l'argent. On aime l'argent, c'est pour ça qu'on s'en va. Mais on n'aime pas l'homme plus que l'argent. Amen. On n'aime pas l'argent plutôt plus que l'homme. Amen. Vous comprenez? L'argent, c'est important. Battez-vous pour que Dieu vous fasse rentrer dans une certaine prospérité. Ça va permettre aux gens de vous prendre au sérieux. Ça va chasser beaucoup des esprits. Une fille
qui n'a pas l'argent, elle sera toujours libérée à la prostitution. Tu veux pas, mais vont t'attraper. Ça va venir, c'est. Ça va, madame, tu es belle, hein? Oui, je vais à l'église, je gêne. J'ai pris. Ils vont te monter 4 billets violés. Ils vont venir ton jeune prier. L'argent. C'est pour ça qu'il faut que Dieu nous délivre l'esprit de la pauvreté. Mais la pauvreté, c'est celui qui est constamment dans les besoins. Quelqu'un qui a l'argent, tu as vu le frère, 40 000 francs. Ça lui fait quoi? Rien du tout. Elle fait rien. Elle fait rien. C'est pour ça qu'elle rentre dans le commerce. Commencez à entreprendre. Parce que Dieu est dans l'entrepreneuriat. Dieu est dedans. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, il bénira le fruit de votre travail. Amen. Il faut que tu travailles. C'est le fruit là qu'il bénit. Parce que la main ne descendra plus du ciel. Amen. Amen. Un juif me disait, il m'a regardé droit dans les yeux. Il dit, quand Dieu n'est plus dans la vie de quelqu'un, la personne devient pauvre. La pauvreté veut dire l'absence de Dieu dans la vie d'un individu. J'ai été choqué. Mais quand j'étudie, il a dit la vérité. J'ai dit, mais pourquoi il dit ça? Il dit, mais l'homme là, il appartient à qui? Le grand matin, il s'est dit, puis il vient or et l'argent chez toi. Il ne vient pas chez toi, puis il laisse valise là dehors. Ou bien il vient chez toi, il dit, bon, il laisse valise d'argent. Moi, je viens seul sans mon argent. Il vient avec toi, tout. Et il dit qu'il est chez toi. Oui, c'est. Ce qui va faire que les gens vont respecter, c'est ce que Dieu fait avec vous. C'est tout. Tu n'as rien, tu n'es rien. Il ne faut pas se blaguer. Qui va te aider? Quand on voit ton numéro, on va être churou, on lance un churou même. Oh, pourquoi tu m'as. Pourquoi ma mère m'attendait? Oh, si tu as ça, elle t'a emmené ton coup de fil. Tu m'as appelé, bête. Pourquoi tu m'as appelé? Il y a quoi? Elle t'a emmené, je l'appelle même. L'argent permettra d'être à la tête. Amen. Quand les têtes, là, c'est pas parce que tu veux tes parents, puis Jean, je dis qu'à la tête. C'est l'argent qui met à la tête. Quand la Bible dit que tu seras la terre, non la queue, c'est ça. Donc, faut travailler. Il y a quelqu'un, il faut travailler. Amen. Amen. Il y a quelqu'un, il faut travailler. Vous avez votre champ. Vous vendez ça aux gens. Sous prétexte que vous n'avez pas l'argent. Donc, c'est l'argent, c'est le champ là que vous avez vendu qui va vous donner l'argent pour être riche. Vous ne savez pas que la terre, mais c'est quelque chose. Les gens, je dis, vivent des piments, bêtes d'oiseaux. Le champ peut vous faire 5 millions chaque 3 mois. Le maraîcher a l'argent dedans. Actuellement, tomates marquent sur le marché. C'est ce qu'on appelle le truc de consaison. Ceux qui vendent tomates ont l'argent, c'est des millionnaires actuellement. Nous avons des terres. Nous, on pense comme être instituteur pour être payé à 150 000, 80 000 francs par mois. Ça veut faire quoi, quelqu'un? La terre ne tombe jamais. Il faut entreprendre. C'est pour ça que la plupart des gens sont dans les affaires, dans les grosses affaires. Il faut entreprendre. Celui qui ne veut rien faire n'aura rien. Il ne faut pas se blaguer. Nos parents, Djoula, là, ils travaillent, ils ont toujours l'argent, ils ont, surtout quand les voitures. Nous, on est là dans les jeûnes et prières seulement. On gêne, on attache tête, on vient à l'église. Les gars, la santé dépend de l'argent. Après, j'ai commencé à faire affaire. Ils m'ont appelé tous les samedis, monsieur, on va vendre supermarché, superette. J'ai lui demandé le prix. J'aurai la rien acheté ça. Amen. Doucement, je suis en train d'établir mon royaume à Abidjan. Amen. Faites les affaires. J'ai compris que ça va de pair. Tu as Dieu. Il va avoir des finances. Amen. C'est ça que votre argent que les sorciers ont bloqué là. Dieu vous les restitue ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Pour t'affaiblir, ils vont d'abord attaquer tes finances. Le diable est trop stratège. Quand ton argent attaqué, psychologiquement, tu affaiblis. L'argent. Vous ne savez pas que l'homme est lié à la richesse. Dieu a pris quoi pour fabriquer l'homme? La terre. C'est dans la terre à pétrole. C'est dans la terre à l'or. C'est dans la terre à diamant. Ce sont dit dans le corps de l'homme, il y a du fer. On dit, ah, il manque du fer dans son corps. Donc l'homme même est lié à la richesse. Quand tu as l'argent et quand tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les mêmes degrés de trucs, des humeurs. Quand il n'y a pas force. Quand tu dis, allez.
Lui, elle avait ses pleins son nom. Moi, je suis en train de vous booster, vous révolter à la richesse. Là, vous allez laisser tout aux gens. Avant les évangiles qu'on prêchait, non, le pauvre va aller dans le ciel. Au contraire, si tu es le non, si tu es pauvre, tu iras en enfer. Avec ce monde-là, où il y a toutes les tentations. Alléluia. Tu n'as pas à manger, on va venir te séduire. L'argent peut te faire détourner, t'enlever de la présence de Dieu. L'or et l'argent appartient à Dieu. D'autres disent, non, je ne veux pas avoir beaucoup d'argent. Moi, je veux avoir beaucoup d'argent. Amen. Ça ne va jamais enlever l'amour qu'il y a pour Dieu dans mon cœur. Beaucoup, je veux beaucoup, beaucoup. Il y a une famille qui vient, qui est riche, qui veut plus être riche. C'est l'argent qui a délivré. Petit, va t'asseoir, petit. C'est l'argent qui a délivré la fille. Elle doit payer maison. C'est pas parlant, hein, vous dites. Seigneur, les gens du Iré, ils ont allé donner une maison cadeau. Ils sont malades ou bien. Dieu, comme ça, Dieu n'écoute pas. C'est monsieur qui a maison, là, son argent, là, il a besoin de l'argent pour se plaguer ses enfants. Ben oui. L'argent qui appelle l'argent. Pourquoi vous allez vous plaguer? Elle n'a pas besoin de prier, elle a besoin de l'argent. C'est là, il n'y a plus pour donner. Et demain, je vais lui donner ça. Je vais lui retirer au guichet automatique. Je vais lui donner. Je n'ai pas la haine moi. J'ai prié et chasse démons. Tous les démons que tu envoies, ils peuvent les chasser. L'argent doit accompagner ça. C'est un équilibre. Ça paie mon carburant. Pourquoi vous allez vous blaguer que non, la haine n'est pas bon. C'est bon. Dis à quelqu'un la haine est bon. La haine n'est pas bon. Tu n'as pas la haine, tu es possédé. Qui te calcule même? On te voit venir, le vent te pousse, pousse. Le gars, il est là, il vient. Il vient. Le gars est fâché, on dit petit, ferme la porte. Monsieur qui m'aille à midi, il arrive. Hein. Mais les gens, c'est visite là, c'est midi. Pardonnez les gars. Pardonnez vos visites là. Prenez ça à 17h. Midi là, pardonnez. Les gens, ils viennent à midi, ça que tu n'as pas dit non. Ou bien il vient à 17h, 11h, cause son moi. Ça finit pas. Il envoie un politique. Vous finissez politique. Il envoie encore France 24. Sport. Ah! Enfin, madame même qui mange des temps, elle met gombo, elle met oignon. Il est là. Tu dis, monsieur, il sommeil. Lui, il est là, il attend. La pauvreté t'humilie. Ça fait perdre ta dignité. Un pauvre, c'est celui qui mendie, il mendie toujours, il n'a pas de dignité. Moi, l'esprit qui combat dans ma vie, c'est la pauvreté. C'est le plus grand démon. C'est ce qu'on ne sait pas. C'est le plus grand démon. Si tu sais faire quelque chose, il faut te reprendre. Dis-toi, il faut que tu atteignes ce ton niveau de prospérité. Ça va permettre aux gens de te respecter. Ce n'est pas parce que tu as une Bible en main que les gens te respecter. Dès que tu as la Bible, mais qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie? C'est tout ça qui permet aux gens de te respecter. Amen. Tu peux travailler et ne pas avoir l'argent. Il faut commencer à entreprendre. Alléluia. Amen. Nous allons tenir debout. Nous allons prier pour Dieu commencer à recevoir les gens. J'ai été vraiment touché par ce qui s'est passé tout à l'heure. Amen. Le diable détruit les finances. Il dit, j'ai gâté son mariage. J'ai gâté son argent. Toujours il y a l'argent. Amen. Quand vous avez l'argent, et vous n'avez plus l'argent, vous êtes à quelques doigts d'AVC. À quelques doigts d'AVC. Ah, AVC! Il est parti. L'argent. Il a dit non, c'est pas bon. Mon ami, viens me donner ce que tu as. Comme c'est pas bon, viens me donner. Quand tu as l'argent, ça peut t'envoyer partout. Amen. Tout ce que tu veux voir dans le monde. Amen. Tu vas là en Israël, tu iras en Israël. C'est l'amour exagéré. C'est-à-dire l'amour aimer l'homme plus que l'argent, qui n'est pas bon. Ah, plutôt, aimer l'argent plus que l'homme qui n'est pas bon. Amen. Vous avez mon exemple. J'ai l'argent dans le compte. Effectivement, je suis venu d'Europe. J'étais en train de retirer de l'argent. C'est des millions que j'ai payé.
pour faire retirer ma voiture. Au port, là, c'est millions. Hein. Mm. Les voitures qu'on a envoyées, c'est des millions. Mm. Donc, petit argent, là. S'il aimait l'argent plus que l'homme, il a dit, madame, je suis le prieur, non? Viens prier, si tu vas demain, le Seigneur te bénit, hein. Le Seigneur bénit là, hein. Bénit là, il est demain, pour qu'elle ait la maison, hein. Prier comme ça, là, Dieu n'écoute pas. Ne vous plaignez pas. Le pasteur lui-même doit donner. Le pasteur doit donner. Si tu ne donnes pas, tu n'es pas un bon pasteur. Ton argent là, ça appartient à tout le monde. Vous voyez, les fidèles souffrent. Il y a des gens qui viennent dans mon bureau. Quand il leur a dit, mais toi, c'est deux plats de placalier polo qui peut te délivrer. Et c'est pas faux. Je n'ai pas mangé, ça fait 2 semaines. Vous connaissez placalier? C'est lourd. On va prier. Levez les mains. Prions le Seigneur. Demandons au Seigneur de nous délivrer de la pauvreté. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te prions au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te délivre de l'humiliation. Le diable t'a imposé l'humiliation. Le diable t'a imposé l'humiliation par la pauvreté. Il a commencé à détruire tes finances. Il a commencé à détruire tes biens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons tout ça au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu se manifeste. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. Oh, alléluia. Merci Jésus. On the bar, shy on the place. On the place, my God, shy on the place. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Jésus. Est-ce que tu peux